J'ai fait des soirées avec Palmade, Benjamin Castaldi évoque son rapport à la drogue. Plus de deux semaines après l'accident de Pierre Palmade qui a fait trois blessés, alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, la cour d'appel a alors annoncé qu'il allait être placé en détention provisoire. Cette histoire, qui a provoqué une onde de choc, ne cesse de faire réagir les médias et notamment l'émission Touche pas à mon poste. Revenu sur l'affaire, le chroniqueur Benjamin Castaldi a donné son avis sur l'utilisation de la drogue chez les stars. En ajoutant que lui-même avait déjà essayé, il y a quand même un beau bal des faux concernant l'utilisation de la drogue dans notre métier. Est-ce que ça m'est arrivé? La réponse est oui, j'ai fait des soirées avec Palmade et j'ai vu un certain nombre de gens. Il y a des tas de boîtes, vous allez dans les toilettes, c'est un défilé. Quand j'avais 17, 18 ans, j'ai vu des gens extrêmement connus consommer des stupéfiants. La toute première fois c'était à Los Angeles, il y a un mec qui vous dit « Tiens essaye ça » et comme un con j'essaye, j'ai passé une tête, ça m'a pas plu, mais j'ai eu de la chance. Il y a plein de gens qui ont essayé. Que pensez-vous de la déclaration de Benjamin Castaldi?